pas blaguer des et Ziana TV. Il y a pas deux. Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y, on avance. Allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer des et Ziana TV. Il y a pas deux. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Bon dimanche à vous qui êtes réunis en ce moment, en famille et surtout vous qui revenez de l'église. J'espère que vous avez eu de bonnes soupeuses pour nous autres. Et merci de nous accompagner dans ce programme puisque pour une fois un dimanche, je reçois un écrivain. C'est son premier roman, vous le voyez ici. Il sera une fois un justicier invisible du Congolais Mikanzi, qui est mon invité cet après-midi. Bonjour Mikanzi. Bonjour, bonjour cher doyen, bonjour Sir Makosso et bonjour à toute audience de Ziana TV. Merci, merci Mikanzi d'avoir accepté de venir sur Ziana TV. Alors, il était une fois un justicier invisible qui est donc votre premier roman. Il faut dire une chose, c'est que ça n'est suivi d'autres recueils, mais aujourd'hui pour nous, l'essentiel c'est de parler de ce gros volume, c'est un gros pavé hein, pour ceux qui ont l'habitude de lire, c'est un gros pavé qui compte à peu près plus de 440 pages dans lesquelles on se transporte entre, je dirais, les réalités congolaises et les réalités plus ou moins mystiques. J'aimerais déjà, Mikanzi, avant que nous ne rentrions dans le fond, pour aborder un peu le fond, j'étais un peu surpris par deux choses. D'abord, la typographie et la couverture, en fait, qui empruntent quelque chose au Nippon. Est-ce qu'on est d'accord que vous avez, notamment pour cette couverture, fait un tour du côté des mangas ou des japonais, un clin d'œil, parce que la codification qu'on a ici, même au niveau de votre nom, on se dit quand même c'est un clin d'œil à tout ce qui se fait du côté Nippon. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Bon, ce n'est pas un clin d'œil que j'ai fait à la culture nippone, mais c'est plutôt quand vous analysez, là c'est une œuvre d'art, cette couverture, c'est moi qui l'ai conçue. Nous trouvons qu'à gauche, il y a la couleur noire qui exprime les ténèbres, mais aussi le secret, tout ce qui est le monde secret. Et à droite, nous avons la couleur blanche qui exprime la pureté, la lumière. Et au centre, nous avons une sphère qui est rouge, qui symbolise le soleil, mais aussi le sang qui est dans l'homme et aussi le sang qui est versé. Parce que dans le livre, je vous l'avais lu, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de sang qui coule, des sangs, mais aussi il y a le sang qui exprime, je dirais, la vitalité d'un être ou aussi d'un peuple. Donc, pour résumer, là, tu peux voir le nom Mikanzi, c'est vrai que ça renvoie un peu à l'écriture japonaise, chinoise. Bon, là, on peut dire que c'est un petit clin d'œil que j'ai fait à ce monde-là. Parce que même Mikanzi, okay, ça sonne un peu japonais, mais c'est vraiment congolais. Ok, mais très bien, parce que parfois l'inspiration peut nous amener aussi loin de nos frontières. Mikanzi, on est quand même aussi ici aussi dans la fantasmagorie qu'on retrouve. Je vais toujours rester un peu dans cet univers nippo-coréen où on sent très bien qu'on a besoin des êtres extraordinaires. Vous parlez de sang, et on sait aussi que dans la fantasmagorie nippone ou orientale du côté de l'Asie, il y a beaucoup de sang aussi, Mikanzi. Oui, mais ici, je voudrais, afin que les lecteurs, ceux qui ont déjà parcouru le livre et ceux qui vont entrer dans cette aventure, ils comprendront que ce que je relate dans cette œuvre est foncièrement humain. C'est-à-dire que les réalités qui se passent en Afrique, que ce soit l'Afrique ancienne, l'Afrique présente et même future, parce que dans le titre, c'est « Il sera une fois un justicier invisible ». Donc, je me projette aussi dans le futur. C'est juste pour dire l'universalité
l'universalité de l'homme, des peuples. Il y a des similitudes entre les peuples, mais sincèrement, je suis parti des réalités anciennes, passées du royaume Congo, en tout cas du Katiopa, l'Afrique, pour m'ouvrir à l'universel. Et dans ce sens qu'on pourra retrouver des similitudes avec d'autres peuples, en l'occurrence les peuples asiatiques, japonais en particulier. Oui, mais c'est vraiment ces français au moins africains. Oui. Ok, alors Mikanzi, ce qui est important, moi, en parcourant ce livre, hein, c'est quand je parle de ce clin d'œil, en fait, en même temps, vous me laissez aussi des traces, hein, puisque là, vous voyez que ce qu'on a ici, bah, ça nous ramène quelque part, là, quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu ce mélange entre ce côté fantasmagorique et les réalités qui sont les nôtres, parce que le jeune Congolais qui parcourt ce roman pour la première fois, il va se retrouver dans un univers. Après, ça dépend de son âge, qu'il a déjà connu, qu'il a entendu parler, ou dans lequel on l'a baigné en fonction du milieu dans lequel il a évolué, Mikanzi, quand on parcourt ce roman. Oui, on sera. Je crois que vous avez perçu cette intuition que j'ai eue lorsque je rédigeais le livre. Vous voyez que l'image que vous venez de montrer, on voit une espèce de guerrier avec une soutane portant une épée. Et je voulais, dans l'inspiration que j'avais, emmener, c'est vrai, oui, l'emmener dans sa quête d'un pouvoir, bon, pour ceux qui ne veulent pas divulguer lequel, j'avais cette intuition d'aller au Japon pour qu'il trouve cette épée-là, ce sabre. Mais finalement, je m'étais ravisé en cours d'écriture pour me dire, bon, Je ne veux pas trop élargir l'histoire pour ça risque de faire trop ça déjà là c'est un pavé ça risque de d'amener l'histoire trop loin. Voilà pourquoi je l'avais écrit autrement pour que cela restât dans les frontières africaines. Mais c'est vrai pour celui qui est habitué à la littérature ou alors au monde asiatique, nippon, japonais, il peut retrouver. Il peut vraiment retrouver quelques bribes des aspects que je relate dans le livre. Voilà. Alors, on va revenir sur les réalités questionnelles, puisque vous le dites que c'est un livre purement humain, hein, qui se base sur les réalités africaines et congolaises. Ce qui est intéressant ici, je vais, avant de rentrer dans le fond, rester aussi un peu sur le côté typographique. Vous utilisez sur un certain nombre d'expressions ou d'appellations les majuscules, alors que sur d'autres, ben, vous faites les minuscules et italiques. Est-ce que vous avez, c'est quoi, qu'est-ce que vous, est-ce que vous voulez nous amener en fait? Oui, vous allez constater que il y a dans la structuration de l'histoire, il y a des vers le futur et retour vers le passé. Donc, le protagoniste principal M, donc Moussaou Fouafouluka, qui est le personnage principal de l'histoire, est projeté vers le futur. Il est dans un rêve. Donc, il vit une réalité présente, mais en même temps, il entre dans un rêve où il se revoit dans le passé. Donc, les italiques sont utilisés pour faire une démarcation, différencier le discours qui est présent et le discours qu'il fait dans le passé. C'est-à-dire, pour comprendre cela, il faudrait peut-être qu'on prenne un exemple dans le livre, mais bon, peut-être qu'on n'a pas le temps. Vous allez comprendre que là où il y a les italiques, c'est un discours qu'il fait dans son rêve. Il est dans le monde onirique plutôt. C'est là où, pour différencier cela, j'ai préféré utiliser les italiques. Et aussi les majuscules, voilà. Voilà, vous par exemple, pour le Mpini, c'est le majuscule. Pour le Mpini. Pour le Mpini. Bon, moi, pour ceux qui sont familiers avec moi sur réseaux sociaux, notamment Facebook, vous comprendrez que quand j'écris un texte, une pensée quelconque, j'aime utiliser les majuscules pour... souvent, quand je fais des rimes, je peux trouver une pensée pour faire rimer deux mots. J'écris en minuscule et pour différencier, ou plutôt pour faire une démarcation entre les deux mots que je mets en valeur
je les mets en majuscule. Donc le Mpini, qui est un pouvoir d'invisibilité, hein, oui. Pour les Congolais, ils savent. Donc je l'ai utilisé en majuscule pour vraiment que le lecteur sache que ce mot, c'est un mot-clé de l'histoire que je relate dans le livre. Voilà simplement. Il y a deux mots-clés hein, qui reviennent quasiment dans tout le texte en majuscule à Lumpini et puis les Zambiankongo. C'est souvent les Zambiankongo. Justement, c'est cela. Les Zambiankongo, c'est qui dans la cosmogonie Congo, en tout cas dans la spiritualité Congo, dans le royaume Congo, c'est le Dieu, Dieu créateur, en tout cas l'être suprême. Donc je l'ai écrit en majuscule, en français on écrit souvent, non, en tout cas dans le monde occidental, Dieu c'est un D capital et I-E-U en minuscule. Mais moi je préfère, en tout cas dans ma, moi j'aime faire démarquer les choses, je l'ai mis en capital pour que quand tu lis, tu saches que ça, c'est un terme spécial, il veut dire beaucoup de choses. Tout simplement. Donc, c'est aussi une petite manie qui est mienne, mais en tout cas, c'est moi. Hein, c'est ma liberté. Je me suis accordé cette liberté-là. Voilà. Oui. Alors, on va rentrer un peu dans le fond maintenant, mon cher Mikonzi. Dans ce livre, en fait, le personnage principal, Moussaou Fouafouluka, nous balade. Alors, dans ces balades, il est vrai que le jeune Congolais, peut-être pas celui d'aujourd'hui, c'est sans doute, mais celui des années 60-70 et à un certain âge aujourd'hui, se retrouve avec des allusions et des occurrences qui vont partir des années 60 à l'indépendance avec l'évocation de Franck Boukaka, dans les années 70-80 avec tout ce qui concerne un peu l'éveil au mysticisme avec la préfigurance de Tapapai, et on se rend bien compte qu'en fait, vous allez nourrir cet imaginaire congolais en l'emportant plus loin, en fait, que le Congo lui-même, en empruntant à d'autres catégories culturelles des éléments qui permettent non seulement d'expliquer, mais de comprendre un peu toutes ces choses qui ont baigné notre jeunesse, mais en empruntant un peu aussi à la fiction. C'est un peu bizarre, en fait, quand on part pour ce livre. Oui, vous avez bien résumé la trame. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les réalités, c'est vrai que c'est une œuvre de fiction. Je l'ai même intitulé le roman total, parce qu'à un certain moment, vous aurez l'impression que c'est un essai. Ça ressemble à un essai, un roman. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un roman essayé ou d'un essai romancé. Donc, roman total, parce que j'aborde plusieurs aspects de la vie, l'économie, la politique, le mysticisme, la métaphysique, la justice. Voilà. Donc, et celui qui va lire, c'est pas simplement le jeune Congolais qui sera interpellé, c'est tout humain. C'est vrai que c'est centré sur Kachupa, l'Afrique profonde. Donc, je suis allé puiser dans les racines même de l'Afrique, ce qui a fait l'âme africaine, la puissance africaine à travers la spiritualité, le mysticisme pour se projeter. Donc, le personnage principal est en quête de réponse, de la réponse. Il est dans la République royale du Mbeba, dans laquelle, donc, République royale, vous voyez un peu la dichotomie, hein, République, mais royale en même temps, pour donner réponse à cela. Donc, il doit suivre un cheminement, une initiation, et à travers son périple, son odyssée, il sera amené à fréquenter, à rentrer dans des temples, hein, être confronté à par exemple, Tapapai, dont vous avez évoqué. Pour les Congolais des années 80, ils sauront ce personnage, Tapapai, qui a vraiment existé, qui a fait des mystères, des choses mystérieuses. Et pas seulement, j'ai évoqué les mots, mais il y a aussi l'imaginaire, il y a que le mythe, les légendes congolaises, mais pas que, parce que je vais dans presque beaucoup de pays d'Afrique et au-delà. Donc, globalement, c'est cela que je mets en exergue. Alors, on part un peu, comme le Congo, on a un petit jeu traversé du nord au sud, on part du nord au sud. Hein, c'est-à-dire, Mokulembebe, vous trouvez dans le nord, on revient sur les réalités de Makanda dans le sud. Alors, voilà. On peut quand même vous taxer un peu, si vous me permettez. Hein, il y a des choses, en fait, dont on n'a pas souvent d'explication. Mais si vous avez voulu ici les expliquer pour plus ou moins les rationaliser, par exemple les Kindoki. Ici, bon, vous dites, bon, ceux qui s'attaquent aux Kindoki, c'est une chose, mais vous expliquez ici, je vais prendre la page 94,
Au regard de cette expérience dont j'étais le principal protagoniste, je conclus que le kindoki est une science, certes irrationnelle, mais une science quand même réservée aux initiés. Or, vous le savez souvent chez nous, ben, le kindoki fait peur. En effet, nous, Africains, nous, fils de Kachopa, devons écrire notre histoire. Nous devons écrire nos histoires, nos mythes. C'est à nous de nous approprier notre histoire, notre passé, notre présent et notre futur. Le kindoki, il est craint. Pourquoi ? Parce que il y a l'occidental qui est venu expliquer les choses d'après sa représentation du monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense que kindoki égale sorcellerie. Sorcellerie, donc jeter des sorts et péjorativement, c'est-à-dire jeter de mauvais sorts. Alors que moi, de par ma connaissance personnelle, par mes expériences, par mes lectures, par mes rencontres, j'ai été emmené à rencontrer des gens qui sont vraiment dans la spiritualité congo, qui m'ont expliqué c'est quoi le kindoki. Et d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, Mikanzi System Yakuzanguka, j'ai eu à recevoir d'éminentes personnalités qui ont expliqué aux yeux de l'univers c'est quoi le kindoki. C'est une science multidimensionnelle. C'est vrai que là, on essaie de rationaliser les choses. Chez nous, Africains, la rationalité ne fait pas bon ménage avec le mysticisme. Mais en tout cas, personnellement, je vais vous dire que le kindoki, c'est A plus B, tout ça. Mais sachez une chose, que le kindoki n'est pas ce qu'on croit. C'est vrai. C'est comme une science, la science moderne européenne et occidentale. Elle est faite pour créer, mais pour détruire aussi. Donc, dans le kindoki, qui est un pouvoir, qui est une science, on peut faire le bien comme le mal. Mais ce n'est pas à craindre. On doit plutôt chercher à s'en approprier, à comprendre. Mais pour cela, il faut suivre un parcours initiatique dont notre héros, Moussaoui Fouafouka, a suivi et est arrivé à cette conclusion-là. Oui, alors, voilà. Le R Makanda, vous l'identifiez, vous l'assimilez au Falcon X242. Est-ce que c'est pour vous un moyen de donner une image? Parce que quand vous parlez quelqu'un de rationnel, puisque nous sommes sur un roman qui est ouvert sur plusieurs traditions culturelles ou cosmogoniques, quand vous parlez de R. Makanda, que c'est un bout de bâton, enfin on a du mal, est-ce que c'est nécessaire de l'identifier en fait avec un réel objet existant qui n'a pas de lien direct en fonction de ce que vous décrivez? En tout cas, là, je suis, vous savez, moi, quand j'écris, je me représente comme étant une espèce de Dieu qui crée un monde. C'est-à-dire que je fais fi de tout ce qui peut être. Ça dépend de moi, de mon imaginaire, du monde que je vais créer. Parce que ce que j'ai écrit dans ce livre, peut-être n'a jamais été écrit. En tout cas, l'histoire. Hein, je sais que R. Makanda, beaucoup de gens en parlent. Mais moi, j'ai voulu apporter ma sensibilité, mon imaginaire. Voilà pourquoi je l'ai représenté en morceau de bois, un bois qui est sec, qui se transforme après avoir fait quelques incantations et il prend la forme d'un aéronef que j'ai nommé Falcon X-242. 242, vous comprenez que c'est l'indicatif de la République du Congo. Voilà, donc c'est ma liberté de créateur, d'écrivain tout simplement. Voilà. Voilà, une réalité d'écrivain, une réalité, bien sûr, de créateur, tel qu'il le dit, mesdames, messieurs. C'est donc le premier roman de Mikanzi, Il sera une fois un justicier invisible, qui est donc sorti en 2021 chez Eddy Livre, et vous le trouverez bien sûr en ligne. Alors, Mikanzi, ce qui est aussi intéressant dans ce livre, je disais tout à l'heure, c'est cet appel, en fait, à l'imaginaire congolais. On retrouve quasiment tout, hein, et les expressions, et des lieux, même si des emprunts à nos différentes langues pour désigner telle ou telle réalité, tel ou tel espace. Est-ce qu'il y avait besoin quasiment d'unir le Congo dans ce roman? Vous savez qu'il y a certaines personnes, des écrivains, qui écrivent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y en a qui vont loin d'eux. C'est dans leur façon de faire, ils vont dans un univers, ils créent un univers qui n'a jamais existé, ou alors ils vont loin d'eux. Moi, je pars d'un lieu, d'une terre qui m'a vu naître, dans laquelle mon cordon ombilical a été enterré. J'ai vécu des réalités congolaises. Donc,
pour cette première œuvre, j'ai voulu en tout cas faire ressortir ce que le Congo m'a donné, ce que j'ai consommé au Congo, les imaginaires, les histoires, les mythes. Voilà pourquoi vous verrez que c'est du nord au sud. Au sud, j'ai parlé des Mami Wata, c'est une réalité bien congolaise. Au centre, j'ai parlé de la vallée de Fazabatu, où j'ai parlé des Mikuyu. Au nord, les Mokelembembe, les Permak. Donc voilà, c'est un condensé de ce qui représente le Congo. C'est aussi un appel, vous comprendrez que le personnage principal, il est en quête de cet appel, de l'unité, de la justice, de liberté et surtout de révolution, c'est-à-dire pour s'échapper de sa condition, de sa mauvaise condition, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter, pour être ensemble, pour faire des merveilles. Donc, pour moi, c'était important de faire éjaillir ce côté foncièrement congolais en moi, qui est en moi, mais aussi aller vers les autres, m'ouvrir. Vous comprenez que à travers la lecture du livre, au plus vous avancez, je suis même allé jusqu'en Égypte. Vous verrez que le personnage principal. C'est là où j'allais en venir, mon cher, puisque en fait, la conclusion, on se retrouve en Égypte. Alors, mais justement. C'est un peu ma dernière question, Mitonzi. On a plus de 400 pages hein, à lire. Oui. On a une entrée qui est assez mystérieuse, en fait. Dès que vous entrez, un trou noir. Le noir le plus obscur, le plus lourd. Un silence. Silence le plus muet et sourd. Un vide. Une absence. L'absence la plus présente, la plus, vraiment l'absence totale, le trou noir. Et à la fin, j'ai la foi. Je passerai cette épreuve et reviendrai sur terre au nom d'Osiris, d'Isis et d'Horus. Amen. Voilà, vous comprendrez que dès l'entrée du livre, on est, comme vous direz, dans un trou noir, on est perdu. Ça renvoie à l'origine, à l'aube de l'humanité. Aujourd'hui, il y a plusieurs théories, hein, théories sur le Big Bang, sur la création du monde. Il y en a qui, pour la facilité, qui disent qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Bravo pour eux. D'autres vont dire que c'est un Big Bang. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité originelle? On n'en sait rien. Donc, j'étais parti de là, mais quand à la sortie du livre, vous avez évoqué l'Égypte, les noms Horus, Isiris, Amon, pour dire que le monde, finalement, la vie est mystère. On essaie de clarifier, de décrypter le mystère. On essaie de décrypter la nature. On arrive parfois à avoir quelques réponses, mais ce ne sont pas des réponses définitives. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a des réponses que je donne. Il y a quelques des lumières, des briques de lumière que j'apporte. Mais là, il faut vous comprendre que le personnage va revenir parce que je crois qu'il y aura une suite pour ce livre. Je veux lui donner une suite. Oui. Voilà, merci. Merci, Mitonzi. Alors, je sais qu'après ce roman, il y a eu d'autres. Vous pouvez juste nous en parler rapidement, les recueils qui sont sortis. Oui, donc après le roman ici présent, Il sera une fois un justicier invisible, il est là. J'ai publié celui-ci, Les mille et une folies de Mikanzi, qui est un recueil de pensées, de proverbes, des aphorismes, des saillies, en tout cas... dans mon monde de folie, vous verrez que c'est des pensées qui vont vous transporter, vous édifier, d'autres vous faire rire, parce que bon, j'ai aussi un côté humoristique assez prononcé, j'aime faire rire. Donc voilà, là c'est le tome 2, et ici nous avons le tome 1 plutôt, ici nous avons le tome 2, et le troisième tome est en cours d'écriture. En tout cas, c'est des livres faciles à lire, très faciles à lire, qui sont disponibles sur Amazon. Et vous pourrez lire n'importe quoi. C'est des petites pensées, mais qui valent leur pesant d'or. Voilà. Donc, c'est toujours chez Edilivre, hein, c'est ça? Edilivre, c'est le roman. Le roman, c'est Edilivre, mais c'est disponible à la FNAC, Amazon, sur Internet. Mais l'éditeur, c'est Edilivre. Mais pour les deux qui sont là présents, j'ai choisi Amazon pour la facilité, pour que tout le monde l'ait. Mais c'est disponible sur la FNAC, le roman. FNAC, Amazon et Edilivre, qui est l'éditeur de l'œuvre.
Voilà. Voilà. Merci Mikazi, mesdames, messieurs. Si vous passez des vacances au bord de la mer, au bord, je sais pas, de n'importe quel lieu pendant ce temps, prenez ce roman. Ça vous permettrait de vous plonger dans ces univers congolais, de vous familiariser avec la cosmogonie congolaise, de vous familiariser aussi avec l'histoire du Congo, son mysticisme, ses cultures, ses langues, ses réalités, en traversant le pays du nord au sud, en retrouvant des locutions qui font penser à telle ou telle réalité dans tel ou tel point. C'est une vraie balade dans le Congo profond. Quand je dis le Congo profond, il faut l'entendre dans les deux sens du mot. Merci encore à vous, Mikanzi, d'être venu sur Ziana TV et de présenter ce roman. Allez-y. Et pas seulement au Congolais, parce que vous verrez que dans la troisième partie, je vais jusqu'aux États-Unis, à la tribu des Nations Unies. Donc, il y a aussi une dimension géopolitique dans ce livre, hein, qui fait que n'importe qui, pas qu'un Congolais, Africain, Européen, pourra se sentir intéressé et concerné dans cette histoire. Voilà. En tout cas, je vous remercie, très cher grand frère, de m'avoir accordé cette opportunité de m'exprimer sur ce livre. Et cela a été un moment, c'est vite passé. Mais en tout cas, j'ai apprécié cet instant-là. Et j'espère merci, que les merci donc de demander au lecteur de le retrouver pour le lire. Merci aussi à Melka qui a fait le lien avec vous, Mikonzi, Melka Mani. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs. On se retrouve donc tout à l'heure à partir de 15h, bien sûr. Entre-temps, portez-vous bien et nous allons donc se retrouver toujours sur Ziana TV, la chaîne au cœur de la diaspora. Prenez le temps de vous retrouver en famille, bien sûr, et surtout de suivre nos programmes. À très bientôt sur Ziana TV. Je vous dis au revoir. Au revoir.